So we're asking everyone if they have a life motto or a quote that has been important to them in their life. Le passé m'encourage, le présent m'électrise, je crains peu l'avenir. The story has been made into a film before. Why did you want to make one? À vrai dire, je connais très bien les deux films dont vous parlez, donc un de Renoir et un de Buñuel, mais je n'avais aucune idée à partir de ces films d'en faire moi-même un autre. C'est en lisant le livre que je n'avais jamais lu que l'envie m'est venue d'en faire moi-même un troisième film. Voyons, je vous donne des maisons ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est pas de ma faute si vous n'y restez point. D'autant que vous êtes intelligente. Vous représentez. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Il pourrait vous arriver des choses heureuses avec de la conduite. Avec de l'inconduite, vous voulez dire. So what was most interesting about this story that you felt? D'abord, le personnage central du roman, qui est son fil conducteur en quelque sorte, et qui est cette jeune femme qui est femme de chambre au début du XXe siècle et qui cherche à échapper à sa condition particulièrement ingrate. Vous avez trouvé les ciseaux? Allez mettre le couvert maintenant. Vous avez vu l'heure? Je ne vous paie pas pour que vous flâniez. So what is it about her that interest you so much working together? Je pense que c'est sa façon très particulière d'imposer d'emblée tout de suite une présence extrêmement forte et évidente et très unique. Je rêve de vous, Célestine. Moi aussi, je rêve de vous, Joseph. Il faut se mettre ensemble, tout de suite. Maintenant, Joseph. Si elle interprète un rôle comme celui-là, qui tient le film de son début à sa fin, sans aucune interruption. Le film devient, d'une certaine façon, son film aussi, en même temps que le mien. Au revoir. Au revoir, Hollywood Reporter. À bientôt. Merci.